Hello. Bonjour, bienvenue au programme de lancement. Bordeaux 2022. Speaking today in order. Dans l'ordre aujourd'hui, il y a le directeur Greg McCallum, directeur des mesures d'urgence de Montréal, météorologue de l'opération Changement climatique Canada, et Don Falk, directeur des sciences de l'air et d'eau du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. L'ordre où ils apparaissent sont Greg McCallum, le directeur de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, Joe Mapia, météorologue de sensibilisation aux alertes environnement et changement climatique Canada, et Don Fox, directeur à la Direction des sciences de l'air et de l'eau, ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Eric Fournier, directionnaire d'Hydro, est également ici pour répondre à vos questions. Chef des centrales hydroélectriques pour Energy NB est aussi ici pour répondre aux questions. Après la présentation, les journalistes peuvent poser deux questions à la langue officielle de leur choix. Les journalistes pourront poser deux questions dans la langue officielle de leur choix. Please mute phone. Et fermez vos téléphones lorsque vous ne parlez pas. De se mettre en sourdine. Greg. Thanks very much, Jeffrey. And good morning, folks. Bonjour tout le monde et merci. Plus de temps ce matin pour cette mise à jour. Le printemps est presque ici, presque arrivé. Et bien sûr, une des choses qui caractérise le printemps aujourd'hui, c'est le lancement du programme de surveillance de rivières. Fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avec quelques-uns de nos plusieurs partenaires qui font un succès de ce programme. Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde au Nouveau-Brunswick, sur plusieurs différents fronts, et pour différentes raisons, mais nous avons eu de la chance lorsque ça vient aux inondations printanières. Les années 2020-2021, les crues ont eu très peu d'impact. Et on n'a pas eu de telles fortunes depuis un certain temps, depuis sur le fleuve Saint-Jean et ses tributaires. Nous avons eu de la chance, mais bien sûr, la chance ne dure pas toujours, ça ne devrait pas faire partie d'une stratégie de préparation. Alors, il faut se préparer à ce qui pourrait nous arriver ce printemps-ci. Nous savons tous que les restrictions sur le COVID-19 seront éliminées lundi et tout le monde a hâte de revenir à leur routine pré-pandémique. Je sais que les personnes sont épuisées et ils veulent prendre une pause de tout cela, mais nous devons nous souvenir que la préparation contre les inondations doit faire partie de notre routine ce printemps. Alors, comme je le dis toujours, des conseils à ce point-ci. Et maintenant, c'est le moment de vérifier votre trousse de préparation de 72 heures pour voir si peut-être ils ont été laissés à libre depuis un certain temps. Vérifiez vos plans d'évacuation et rassurez-vous qu'ils soient bien à jour. Et prenez stock des articles dans votre maison et sur votre propriété qui devraient être placés plus élevés ou sécurisés au cas où il y aura inondation. J'aimerais rappeler à tout le monde que l'assurance des inondations terrestres est disponible. Et si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas les détails, communiquez avec votre assureur pour plus d'informations. Vous devez vous souvenir que toute aide financière de sinistre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'est disponible pour aider les gens du Nouveau-Brunswick qui ont des pertes non assurables. Alors, les gens, on encourage les gens, c'est-à-dire, à s'assurer contre la menace d'inondation. Il y a beaucoup de bons conseils et d'informations disponibles au public, comme toujours. Un sujet, la préparation d'urgence sur le site web de l'OMU, plus particulièrement gnb.ca/emo. Et nous avons également de nouveau, depuis qu'on a commencé cette information, la ligne de programme de surveillance, si vous pouvez obtenir l'information là en disant 1-888-561-4048. Et les mises à jour seront mises à jour sur cette ligne. Alors, nous sommes au tout début et possiblement nous avons certaines semaines des inondations terrestres comme menace possible. Mais le climat, d'ici ces deux prochaines journées, c'est un rappel que la préparation devrait être une nécessité d'une année longue. Nous considérons, et vous allez entendre de Jill dans plus de détails, les possibilités depuis cette fin de semaine des pluies verglaçantes et de haut vent également sur la prévision.
Alors, c'est le genre de climat qui mène à des inondations localisées et également des pannes d'électricité sont toujours une possibilité et bien sûr des conditions de conduite difficiles ou dangereuses. Là, c'est le moment, et j'aimerais encourager tout le monde, de prendre un moment pour vérifier leurs propriétés, vérifier vos plans et vos trousses de préparation. Rassurez-vous que les drains soient bien clairs et que l'eau ne peut pas se regrouper autour de votre maison, de votre entreprise. Maintenant, on va continuer avec les présentations en plus de détails du climat de Jill. Et bien sûr, on entend parler de nos amis à hydrologie, à savoir ce que les prévisions nous donnent. Je passe la parole à Jill Mapia, de Service météorologique Canada. L'environnement et changement climatique Canada. Merci. Jill? Merci, Greg. Bonjour tout le monde. Je vais présenter les conditions météorologiques depuis cet hiver jusqu'à maintenant, et ainsi que les conditions actuelles et les prévisions pour le printemps. Présenter des conditions météorologiques depuis le début de cet hiver, des conditions actuelles et un aperçu pour le printemps. Slide one, please. Première diapo, s'il te plaît. Voici, nous pouvons voir un échéancier de l'hiver, un historique de cet hiver. Au haut, vous pouvez voir les données sur les précipitations pour Fredericton. La barre en bleu indique les précipitations quotidiennes. Et les lignes noires indiquent les précipitations cumulatives ainsi que les lignes pointillées, c'est la moyenne. Alors, pour la région de Fredericton, décembre et janvier, était relativement sec comparativement à février. En termes de précipitations, et au bas, nous pouvons voir les climats, la température, et la température a varié dans les trois mois, décembre, janvier et février, en dessous de la normale, au-dessus de la normale, et ensuite, vous pouvez voir la ligne pointillée également, c'est la température moyenne, ainsi que rouge en bleu indique les déviations. Pour l'hiver à Fredericton, en haut, ce sont des données à précipitation à Fredericton. Les barres bleues indiquent la précipitation totale quotidienne. La ligne noire indique la précipitation cumulative. La ligne pointillée indique la moyenne. Décembre et janvier étaient secs en comparaison avec février. En bas, la température a varié entre les trois mois. Entre sous la normale et au-dessous de la normale. Et encore, la ligne pointillée indique la moyenne et la rouge et le bleu indique les écarts types. Slide 2, please. Et voici les anomalies de température dans ce forme graphique pour la province en entier. Et conformément à l'échelle à gauche, la température moyenne est au-dessus de la normale pour la plupart de la province, à l'exception dans le nord du nord-ouest. La température était extrêmement froide pendant le mois de janvier, ce qui a causé une telle anomalie. La température montrée dans le graphique pour toute la province, selon l'échelle à gauche, la température moyenne était au-dessous de normal, sauf dans le nord-est. La température était extraordinairement froide pendant janvier dans le nord-ouest. Slide 3. Également, nous avons une anomalie de précipitation pour la province et l'environnement pour plusieurs régions. Je dirais pour certaines régions, au Québec et au Maine, c'est en dessous de la normale. Et vous pouvez voir ces couleurs en brun. Et pour certaines régions, au Nouveau-Brunswick, c'est au-dessus de la normale. Anomalie de précipitation pour la province et ses environs. On a quelques régions sous de la normale au Québec et Maine en brun.
et quelques régions au-dessous de normal au Nouveau-Brunswick en vert. Slide 4, please. Tempo 4. Ici, nous pouvons voir la profondeur de la neige au sol dans la province, la région du Nord, 100 cm ou plus, et c'est 20 à 60 cm pour les régions centrales et moins de 20 cm dans le sud. Ces chiffres sont un peu moins que la moyenne pour ce temps de l'année. De la neige au sol, c'est 60 à 100 cm pour la région au nord et 20 à 60 cm pour la région du centre et moins de 20 cm au sud. Ces chiffres sont un peu moins de la moyenne pour cette période de l'année. Slide. Diapo 5. Et voici nos prévisions court terme. Ça couvre jusqu'au 24 mars. Et ça indique une tendance d'avoir des températures au-dessus de la normale pendant cette période. À court terme, jusqu'au 24 mars, il y aura une tendance d'avoir les températures plus chaudes que la moyenne. Slide 6, please. Diapo 6. Cependant, les prévisions à long terme pour les températures sans différents scénarios, le bleu se signale en dessous de la normale, conformément dans la climatologie. En termes, pour la température prévoit un différent scénario. Le bleu signale sous la normale selon notre climatologie de 30 ans. Slide 7, please. Et également, en termes de précipitation, pour la perception, il n'y a pas d'indicateur d'au-dessus ou en dessous, ou en dessus de la normale. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que quelque chose est près de normal, condition normale. Pas d'indicateur pour au-dessous ou sous de la normale. Donc, on prévoit près de normal à cause de ça. Et voilà qui met fin à ma présentation pour la surveillance des rivières. J'attends ce que le système passe dans la région en fin de semaine, ce week-end. Comme Greg l'a mentionné, nous attendons à voir une grande tempête portée de fortes pluies, de neige ainsi que du vent. Et principalement, la neige se doit confiner au nord-ouest de la province avec jusqu'à 30 cm prévus et plusieurs régions de la province, y compris le nord-est, le centre et des sections du sud. Nous prévoyons de 20 à 40 mm et des vents également pourraient aller jusqu'à possiblement 80 km l'heure ou même 90. Ces températures également sont plus chaudes avec ce système dans la section sud. Sud et centrale avec des températures qui sont de la moyenne. On prévoit un système pour cette fin de semaine. On peut s'attendre à une grosse tempête avec un mélange de pluie et de la neige et des vents forts. Donc, on prévoit des précipitations au nord-ouest sous forme de neige et avec des quantités jusqu'à 30 cm de neige. Mais pour le reste de la province, on prévoit de la pluie avec des quantités entre 20 et 40 mm. De plus, des vents forts, probablement souffle avec des rafales jusqu'à 80 ou 90 km à l'heure. Et les températures vont grimper jusqu'à peut-être 10 degrés pendant les régions de la tempête et pendant les régions du sud et le centre pendant la tempête. And thank you very much. Merci bien.
Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Don Fox, je suis le directeur des sciences et de l'air et de l'eau au ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Le Centre d'hydrologie qui fait partie du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux est un partenaire clé de Riverwatch. Nous fournissons des soutiens scientifiques et techniques au programme. Nous sommes responsables de la collecte et de la compilation des données telles que le niveau et les débits d'eau, la précipitation, la température, l'épaisseur de la neige et le mouvement des glaces. Nous sommes également chargés de fournir des prévisions régulières des crues et nous apportons toute expertise supplémentaire nécessaire. Cette année, le Centre d'hydrologie fournira à nouveau des prévisions à 5 jours et identifiera tout problème potentiel qui pourrait survenir pendant la saison d'inondation printanière. Au cours des premières semaines, les prévisions peuvent être produites tous les 2 ou 3 jours, selon le besoin, en fonction de la météo et des conditions du bassin du fleuve Saint-Jean. Par la suite, les prévisions seront fournies quotidiennement selon la nécessité. Il est important de se rappeler qu'il est impossible de prédire la gravité d'une inondation trop longtemps à l'avance. Les inondations dépendent fortement de la météo au jour le jour. Le climat est difficile à prévoir avec précision trop longtemps à l'avance et ça peut changer rapidement. Toute personne vivant le long d'un cours d'eau doit rester vigilant jusqu'à ce que la neige soit complètement disparue et que les niveaux d'eau reviennent à la normale. Toutes les zones situées près des rivières sont exposées au risque d'inondation. Il faut toujours être prudent dans les zones où les inondations ont eu lieu par le passé. Plusieurs facteurs peuvent influencer les inondations pendant la saison printanière. L'augmentation rapide de la température combinée à de fortes pluies peut provoquer une hausse des niveaux d'eau et des inondations importantes. Lorsque la glace commence à se briser, des embâcles peuvent également se produire, entraînant une augmentation rapide des niveaux d'eau et des inondations. Si l'on veut éviter les inondations dues à ces événements hivernaux de fonte et de pluie, les fluctuations de température sont un bon moyen de libérer progressivement l'eau du manteau neigeux et donc de réduire le risque d'inondations graves. Cela signifie que les journées chaudes et les nuits fraîches aide le manteau neigeux à fondre plus progressivement. L'épaisseur de la neige et la quantité d'eau contenue dans le manteau neigeux, équivalent en eau de la neige, peuvent également jouer un rôle dans les inondations. Notre dernier relevé de neige pour la fin février montre que la quantité de neige dans la vallée du haut fleuve Saint-Jean, en amont du barrage MacTaquac, a une épaisseur de 31 à 75 cm. Il y a une zone du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, une partie du nord du Maine et une partie du sud du Québec, près de la frontière du Nouveau-Brunswick, qui ont une épaisseur de neige comprise entre 76 et 90 cm. Dans l'ensemble, la situation est comparable à celle de l'année dernière. La vallée inférieure du fleuve Saint-Jean, en aval du barrage de MacTaquac, a une épaisseur de neige de 31 à 45 cm dans la région centrale et de 16 à 30 cm dans la zone du sud. Il y a une petite zone dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, dans les environs de St. George et St. Stephen, avec une épaisseur de neige de 3 à 15 cm. Dans l'ensemble, il y a un peu moins de neige dans les régions basses du Nouveau-Brunswick par rapport à la même époque l'an dernier. En ce qui concerne la quantité d'eau contenue dans le manteau de neige, l'équivalent d'eau en neige de la neige, la vallée du Haut-Saint-Jean, en amont du barrage MacTaquac, se situe entre 76 et 155 mm, avec une petite zone près de la frontière Québec-du-Maine, contenant entre 151 et 175 mm. La basse vallée du fleuve Saint-Jean, en aval du barrage de MacTaquac, varie entre 51 et 75 mm. La région autour de Saint-Stephen et Saint-George est encore plus faible et varie entre 26 et 50 mm. Pour comparer cela à long terme, le pourcentage de la valeur normale, le pourcentage pour la vallée du haut du fleuve est environ 75% et les conditions normales à long terme seraient à 100%. Ceci est comparable au résultat de l'année dernière pour le mois de février, qui est environ à 71% de la normale. À 90% de la normale, la vallée du Bas-Saint-Jean est inférieure à celle de l'an dernier, qui était de 101,7% de la normale à la fin février.
Il est important de se souvenir qu'un des principaux facteurs d'inondation est la météo quotidienne qui est imprévisible à plus de quelques jours. Quel que soit l'état de la neige, il peut y avoir une inondation importante. Il ne pourrait pas y avoir d'inondation du tout ou entre les deux. Nous sommes toujours prêts et nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de surveillance des rivières pour leur fournir des mises à jour ainsi qu'au public dès que de nouvelles informations deviennent disponibles. La meilleure façon de se rester informé est de consulter le site web de Riverwatch et toutes les prévisions sont disponibles là ou via la visionneuse mobile de Riverwatch. Et j'aimerais souligner qu'il est important d'être préparé, plus particulièrement si vous avez connu des inondations dans le passé. Merci. Merci tout le monde. Maintenant, pour les questions. Jim Dunville. Jim Dunville. Jim? Jim, tu peux ouvrir ton micro? Jim, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas. Jim, peux-tu lever la main, peut-être, si tu es là? On te reviendra, Jim. Alan Deering. Allez-y. Natalie Sturgeon. Natalie Sturgeon? Steve Llewellyn. Frédéric Camarano, Radio-Canada. Si vous voulez patienter, nous avons des problèmes techniques tentons de régler là, présentement. Hang on, everyone. Excuse me. Patientez avec nous. On essaie de régler les problèmes techniques.
Aye. Oh, salut. Est-ce que les journalistes pourraient envoyer leurs questions par le chat ou on va faire la lecture dans la salle des médias? Vous pouvez envoyer vos questions par le biais chat ou par discussion. Le sigle discussion ou l'icône discussion. Hi, bonjour, tout le monde en ligne. On connaît des problèmes d'autres techniques. Malheureusement, il faudrait terminer la conférence de presse maintenant. Nous allons faire des arrangements pour avoir des réponses à vos questions. Merci tout le monde.